Het CPBW voor mij is de meest concrete uiting van controle van werknemers over de manier waarop zij hun eigen werk veilig en gezond kunnen invullen. Je pense que le CPPT a un rôle clé à jouer dans sa participation active au dépistage des risques qui sont présents en entreprise. Le CPPT fait des travailleurs des acteurs de leur propre santé et sécurité. De comité's voor preventie en bescherming op het werk, of kortweg CPBW's, zijn wettelijk verplichte organen op je werk waar de werknemers zelf hun collega's kunnen verkiezen in de sociale verkiezingen, zodat ze wettelijk recht hebben op inspraak over veiligheid en gezondheid op het werk. En België, de CPPT hebben 75 jaar. Mais avant donc de créer des CPPT, il y avait évidemment énormément de problèmes de santé et de sécurité au travail. Pendant toute la révolution industrielle du 19e siècle, les conditions de travail étaient épouvantables et se traduisaient par une mortalité massive. Il y avait aussi évidemment le travail des enfants. Mais à l'époque, l'idée que les travailleurs aient quelque chose à dire sur leurs conditions de travail était vraiment une hérésie. Pour la bourgeoisie, à partir du moment où il y avait un contrat de travail, les choses étaient simples. D'un côté, le travailleur recevait son salaire, et de l'autre côté, il mettait tout à la disposition de l'entreprise, y compris sa vie ou sa santé. Et donc il a fallu énormément de luttes pour faire admettre qu'il fallait une législation sur la santé au travail, et on s'est rapidement rendu compte que la législation elle-même n'était pas appliquée s'il n'y avait pas un contre-pouvoir dans l'entreprise. Maar het is vooral na de Tweede Wereldoorlog, in de context van het Sociaal Pact, waar de overheid, de vakbonden en de werkgevers samen organisaties oprichten op verschillende niveaus, sectoreel, nationaal, op ondernemingsniveau, om eigenlijk samen België erop te bouwen en samen de productiviteit op te voeren, dat we ook een veralgemening zien van die vroegere CPBW's over de verschillende sectoren en niet enkel de grote bedrijven of de bedrijven waar er veel spanningen waren tussen werknemers en werkgevers. De organen van syndicale vertegenwoordiging moeten niet alleen verplichte doorgangspunten worden, maar ook hun bevoegdheden dienen te worden uitgebreid. En 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, on a la première loi qui prévoit qu'il y aura un organe de représentation des travailleurs en santé et en sécurité seulement dans les entreprises à partir de 50 travailleurs. Et surtout, il y avait un grand mythe à l'époque sur les questions de santé et de sécurité, c'était qu'elles étaient attribuables à la négligence, aux erreurs humaines des travailleurs. De CPBW's die toen ontstonden met de wetgeving van 1946 bleken weinig effectief te zijn. Vooral was het toen nog de manier van verkiezen die ervoor zorgde dat de werkgever veel invloed had op hoe de werknemers als vertegenwoordigers in de voorgangers van de CPBW terechtkwamen. De vakbonden hebben daar sterk tegen geprotesteerd en dat is ook veranderd vanaf 1958, toen met de sociale verkiezingen, net zoals in de OR, in de ondernemingsraad, ook de vertegenwoordigers in het CPBW werden verkozen. Dus dat was eigenlijk een versterking van het democratisch gehalte van het CPBW. Maar cela, il a fallu pas mal de temps pour que cette idée de remonter vers l'organisation du travail soit mise à l'ordre du jour. Et on peut dire que c'est avec la loi sur le bien-être au travail, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, en 1996, que vraiment il y a eu une pleine reconnaissance des facteurs qui pouvaient porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs. Dus die rechten om zaken te kunnen doen en veranderen qua veiligheid op het werk en gezondheid werden sterker, maar ook de thematiek werd steeds breder. Van zeg maar de meer klassieke zaken van veiligheid, ongevallen, arbeidsziektes op het werk, naar zaken zoals psychosociale risico's en thematieken die met milieuproblematiek gerelateerd zijn en de toenemende vervaging tussen grenzen van werk en privé breiden die bevoegdheden van het CPBW steeds uit. Chaque accident est un signe qu'il y a un problème au niveau de l'entreprise, qu'il soit d'ordre matériel, organisationnel ou humain. Et donc, il est important d'associer directement le CPPT après chacun de ces accidents, car son apport d'expérience pratique sera très utile à la recherche des causes,
de l'accident, mais aussi à la mise en place rapide des actions correctives. Je m'appelle Fabien Walsh, je suis le directeur opérationnel de l'usine NLMK à La Louvière et je suis également le président du CPPT. Pourquoi avoir un CPPT efficace est important? Parce qu'on est dans une industrie lourde où, comme vous pouvez le voir autour de vous, on manipule des bobines d'acier de plus de 20 tonnes. Si on revient 10 ans en arrière, on avait un taux de fréquence accident qui était aux alentours de 60. Et si on revient maintenant, on a un taux de fréquence accident en 2020 qui est de 7,5. Donc comment on a fait pour avoir cette évolution? On est passé d'un CPPT qui était plutôt un tribunal, où chacun s'accusait en disant que ça ne va pas, à un CPPT où on a généré de la confiance. Et en ayant un rythme efficace mensuel de suivi, ça nous permet de bien suivre justement l'exécution des travaux. Description du danger. Donc comment on décrit le danger là? On a aussi une partie de process pour s'assurer que en sécurité, on avance. Donc on est aidé par le groupe, on a aussi des outils qui sont proposés par notre SIPPT. Donc les outils, principalement, on a le suivi des protocoles sécurité. Je m'appelle Durham Luc, je travaille à MLK La Louvière, je suis le porte-parole de SIPPT. Voilà, nous sommes à la minoire à froid. Ici, nous sommes à la zone que les coils sont finis, ils sont emballés. Ça veut dire que quand vous voyez les lampes vertes là, ça veut dire que les gens travaillent en sécurité. Le pompier ne peut pas s'approcher là, tout près. Si vous regardez un peu plus loin, les lampes sont rouges. Et là, le pompier ne peut y aller là. Il ne peut pas aller dans les zones vertes. Les lampes qui sont là, ça va peut-être durer 6 mois, 8 mois, parce qu'on discute ensemble, tous ensemble, main dans la main. C'est pour ça qu'il y a un CPPT. En plus qu'on a ici au niveau de sécurité, des machines distributeurs, il y a toutes sortes de gants. Des gants anti-coupure, des gants normales, même des salopettes pour la sécurité. Avant, c'était quoi? Avant, c'était qu'on avait un petit stockage dans son armoire. Une fois que le stockage était parti, c'était compliqué. On devait attendre le lendemain qu'on faisait le matin. Ici, qu'est-ce qui est bien? C'est qu'on peut aller n'importe quelle heure et on peut en prendre tant qu'on en veut. Et ces machines-là, pour moi, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. Quand on voit les données des enquêtes sur les conditions de travail, on voit que pour énormément de travailleurs, il est impossible de continuer le travail au-delà de l'âge de 60 ans, pour des raisons de santé. Donc la question de la santé au travail, ce n'est pas simplement éviter les accidents et éviter certaines maladies professionnelles, c'est vraiment une question globale, hein, d'usure de la personne tout au long de sa vie de travail et qui est le résultat cumulé de toute une série de facteurs différents. Et donc le CPPT est en mesure de donner cette vision d'ensemble en enquêtant parmi les travailleurs et en apportant ces données-là au moment de l'évaluation des risques et de l'élaboration des plans de prévention. Ik ben Debbie Albrecht. Ik werk als huishoudelijke helpster in de gezinszorg de Regenboog en ik ben afgevaardigde voor het comité. We zijn een thuiszorgdienst die bij de mensen thuis of in serviceflats huishoudelijke taken gaan uitvoeren of de mensen gaan verzorgen. Als huishoudelijke helpster werken wij met heel veel producten. En wat wij nu proberen is de mensen een beetje aan te raden om natuurlijke middelen te gebruiken, bijvoorbeeld zoals azijn of een gewone allesreiniger. Daar kan je al heel veel mee doen. Maar tegenwoordig is het de hype om van die sprays te gebruiken, maar die zijn heel schadelijk voor de luchtwegen. En wat wij op het comité besproken hebben, is het schrappen van een aantal producten, zoals ammoniak en white spirit. En Belgique, il y a très peu de maladies professionnelles qui sont reconnues. Alors, ça peut donner une illusion, c'est que les conditions de travail seraient tellement bonnes que les gens n'y perdent pas leur santé. La réalité est évidemment très différente. Dans les faits, sur le lieu de travail, il y a toute une série d'expositions nocives qui peuvent provoquer des maladies, mais qui ne sont pas rendues visibles à travers le système des maladies professionnelles. Et donc ça, c'est le rôle du CPPT, c'est de tenir compte de l'ensemble des problèmes de santé. Et un exemple de cela, ce sont les cancers. Par exemple, il n'y a aucun cancer du sein reconnu en Belgique comme maladie professionnelle, alors que l'on sait qu'il y a un certain nombre de professions qui sont exposées au risque de cancer du sein, comme par exemple les infirmières ou les travailleuses dans le secteur de la coiffure. Et donc ce que peut faire le CPPT à partir de ces informations,
c'est vérifier l'ensemble des conditions de travail et voir quelle est la prévention qui peut être mise en place par rapport à des conséquences qui souvent ne se manifestent qu'à long terme dans le cas des cancers. Imaginons une entreprise où l'employeur souhaite faire des travaux d'aménagement du local, du réfectoire, et qu'il confie sa tâche à deux travailleurs dont ce n'est absolument pas le travail. On leur donne un produit chimique pour réaliser le décapage du sol. Il se passe une intoxication. Le produit chimique provoque une réaction et intoxique plusieurs collègues de travail à l'intérieur de ce réfectoire. Nous avons affaire à un accident du travail grave et également à un incident grave au sens du Code du bien-être au travail. Le CPPT doit donc venir sur place, c'est la visite immédiate sur place de la délégation restreinte du CPPT. Le but est que le CPPT puisse recueillir un maximum d'informations pour donner à l'employeur l'avis sur les causes de l'accident qui est requis par la réglementation. Pour donner cet avis, il est essentiel que les membres du CPPT puissent sur place opérer toutes les constatations là où les éléments sont encore présents, les éléments matériel, mais également les témoignages des collègues, de manière à se construire une opinion la plus précise possible sur les causes de cet accident. Ik ben Frank Roffy, ik ben regionaal directeur binnen de groep Orpea. En WZC Koala is een van de woonzorgcentra waar ik voor verantwoordelijk ben. Binnen het woonzorgcentrum ben ik voorzitter voor het CPBW. Het belang van het CPBW is toch ook wel dat we op die manier zeker een regelmatige samenkomst hebben van werkgeverszijde en werknemerszijde, waarin we wederzijds kunnen bespreken welke dingen wij heel belangrijk vinden naar veiligheid toe en naar preventie en bescherming eigenlijk algemeen van onze werknemers, zodat wij samen tot een overeenkomst kunnen komen en de beste manier vinden, de beste middelen kunnen beschikbaar stellen om ervoor te zorgen dat die veiligheid van onze medewerkers gegarandeerd is. Ik ben Chanelle Krauwels, ik ben diëtiste in het woonzorgcentrum Koala te Deurne. Ik ben ondertussen voor de tweede keer verkozen voor het comité, waar ik heel blij voor was, omdat de gezondheid van onze personeelsleden best wel een heel belangrijke rol speelt in ons comité. We zijn hier in de keuken, in de afwaskeuken. En zoals jullie zien, hebben wij een grote afwasmachine. Dat blaast 80 graden stoom. En vooral met de warmere dagen, de hittegolf dat tegenwoordig meer opkomt, hebben de mensen heel veel last van een temperatuur dat hier blijft hangen. Er zijn hier ook geen deuren dat zomaar open mogen gezet worden. Dus dat is echt wel een probleem en dat is hier echt wel snikheet. Nu, die mensen zijn zelf naar ons gekomen om daar een oplossing voor te proberen te zoeken. Ik heb dan echt wel opgezocht wat eigenlijk de reglementering daar rond is. Hoe dat je dat kan meten, bij wie dat we dat moeten aankaarten. Dan is er met onze preventieadviseur overlegd om hier een vochtige kloopmeter te hangen. Om te kijken hoeveel de temperatuur is, maar niet alleen de temperatuur, ook de vochtigheid. Dat gaf inderdaad een signaal aan dat dat te hoog was. Dus we moesten daar inderdaad iets aan doen. En alleen pauzes inlassen is eigenlijk niet voldoende voor die mensen. Dus dan hebben we eigenlijk ervoor gezorgd dat onze klusjesman een vliegenraam heeft kunnen maken voor de deur die dat hier openstaat. Die mag eigenlijk dan niet openstaan, maar zo is die toch gesloten. Met magneetjes kun je die heel gemakkelijk bevestigen, zodat er toch luchtpassage is in de keuken. La législation prête une attention très soutenue aux risques psychosociaux. Les risques psychosociaux peuvent générer des dommages extrêmement graves à la santé physique et mentale des travailleurs. Il y a des gens qui se suicident au travail en raison des composantes nocives qui règnent sur leur lieu de travail. Vous avez également beaucoup de burn-out, les gens qui sont épuisés au travail parce qu'il y a une insuffisance d'aspects positifs dans le travail avec une accumulation d'aspects négatifs du travail. Wij hebben heel veel nationaliteiten bij ons op het werk en dat brengt toch wel soms problemen met zich mee. Dat mensen niemand willen die zwart is of dat ze niet willen dat er iemand bij hun binnenkomt die een hoofddoek draagt. En wij tolereren dat natuurlijk niet, dat mensen gediscrimineerd worden
op aard van hun uiterlijk. Zeker als ze daar binnenkomen en ze worden verbaal uitgescholden, dan hebben ze heel veel schrik en voelen ze zich niet gewaardeerd. We hebben dan op het comité besproken dat als zulke zaken gebeuren, dat de medewerker onmiddellijk de werkvloer mag verlaten en wanneer zij buiten is, in veilige omstandigheden, dat zij naar haar teamverantwoordelijke mag bellen om dit te melden. Nadien neemt de teamverantwoordelijke contact op met de cliënt en krijgt hij een waarschuwing. Gebeurt dat nog een tweede keer bij de cliënt, ja, dan wordt de hulp stopgezet en kan de cliënt ergens anders hulp gaan zoeken. Donc dans cette situation, ce qu'on peut constater, c'est que le CPPT a permis de dévoiler la problématique de racisme et donc de dévoiler le risque psychosocial auquel était exposée cette travailleuse. Non seulement le CPPT a mis en lumière un risque psychosocial très important, très dangereux pour les travailleurs concernés, mais en plus a permis de mettre en place des mesures concrètes, très matérielles, qui permettent de combattre efficacement ce risque pour ces travailleurs. Ik ben Ludo de Ranter, directeur bij Werkhuizen Min. Wij zijn in de min met een honderdtal mensen. Mensen met een beperking, psychische beperking, een arbeidsbeperking. Wij verpakken voor meer dan 81 verschillende klanten, dagelijks. Heel veel repetitief werk, maar altijd met de volle goesting en correct. Wendy, bedankt voor uw voorstel gisteren op het comité. Zelf ben ik voorzitter van het comité, als werkgever, als directeur. Maar uiteraard is dat heel belangrijk van met uw mensen op de werkvloer te praten. In min is de stelling, wij doen alles samen. Van de grootste tot de kleinste, van de hoogste tot de laagste. Zo zoeken wij samen naar de beste oplossingen voor iedereen. Heel belangrijk in een organisatie hoor. Ik ben Wendy, ik ben verkozen als delegé van het comité van de min. Ik ben het aanspreekpunt op deze werkvloer. Ze hebben maar te vragen en wij leggen het voor op het comité. Zoals je kunt zien, dit zijn nieuwe tafels. Die zijn hier aan bod gebracht door mensen hier van de min. Het zijn ook ergonomische tafels. Dat is ook voor de mensen die rugklachten hebben. Dus kunnen wij ook eens een keer recht staan. Mensen kwamen naar mij vragen van, geef dat eens aan bod in het comité. Van, alsjeblieft, geef ons nieuwe tafels. En uiteindelijk een budget vrijgemaakt en voilà. Als mensen dagelijks moeten bukken en dat constant verkeerd doen, dan krijgen mensen rugproblemen. Als mensen te zwaar moeten tillen, ja, dan is dat ook niet echt gezond. Daarom hebben wij transpaletten die mee omhoog gaan tot aan de tafel. Wij gebruiken materialen die het werken eigenlijk eenvoudiger, beter en gezonder maken. La base de l'ergonomie, c'est de reconnaître qu'il y a une différence entre le travail réel, tel qu'il est exécuté, et le travail prescrit, c'est-à-dire le travail tel qu'il est imaginé par les dirigeants de l'entreprise et tel qu'il est mis sur le papier. Et donc, si on veut faire de la santé et de la sécurité, on est évidemment obligé de tenir compte du travail réel, parce que les solutions que l'on adopte par rapport aux accidents du travail ou par rapport à n'importe quel type de risque ne peuvent fonctionner que sur la base du travail réel. Et donc, c'est au CPPT que les représentants des travailleurs peuvent précisément faire remonter cette expérience du travail réel et discuter des plans de prévention et, au besoin, les modifier, les adapter à ces conditions du travail réel. Les inspecteurs du contrôle du bien-être au travail disposent des pouvoirs ordinaires d'inspecteurs, mais ils disposent également des pouvoirs particuliers qui leur sont conférés par le Code pénal social. Et donc, lorsque nous constatons sur le terrain des risques pour la sécurité et la santé au travail, nous pouvons, sur base de l'appréciation de la situation, soit donner des conseils, des renseignements sur les moyens les plus efficaces pour régulariser la situation, soit donner des avertissements écrits en fixant éventuellement un délai de régularisation. Nous pouvons encore imposer certaines mesures particulières, c'est-à-dire par exemple ordonner l'arrêt de travail lorsque nous constatons un danger grave, voire encore interdire l'utilisation d'une machine ou d'une installation dangereuse.
Et enfin, nous pouvons également dresser des procès-verbaux pour les infractions que nous avons constatées. La collaboration avec les membres du CPPT est très importante. Tout d'abord, lors de chacune de nos visites d'inspection, nous demandons à la délégation du CPPT de nous accompagner lors de nos contrôles, car leur rapport pratique d'expérience et leur connaissance des méthodes de travail va nous permettre à nous, inspecteurs, de mieux comprendre tout cela, les activités de l'entreprise, mais également de mieux percevoir les risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés. Un des éléments qui me semble important pour améliorer le fonctionnement des CPPT, la qualité de la participation des travailleurs, serait d'admettre de manière plus franche la conflictualité inhérente à l'exercice des missions du CPPT. L'existence de conflits d'intérêts sur toutes les questions de risque et de santé et de sécurité entre l'employeur et ses représentants et les représentants des travailleurs, et de donner aux représentants des travailleurs davantage de possibilités d'exprimer des avis autonomes. Ik denk dat een van de grootste uitdagingen in de toekomst voor de CPBW's is dat de psychosociale risico's toenemen, maar de bron van die risico's, namelijk de arbeidsorganisatie, te weinig het voorwerp is van sociaal overleg. En als we dat kunnen verbeteren, het sociaal overleg over de werkorganisaties, gaat de CPW ook meer effectief iets kunnen doen aan psychosociale risico's.